Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour la guidance et les messages de ce mardi 3 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, avant de commencer, la pensée positive de ce 3 décembre, sacrifice. En sacrifiant ce que l'on veut fondamentalement à ce que l'on veut immédiatement, on s'expose à de grands regrets pour de petites satisfactions. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé dans ce bel oracle de l'éveil de l'âme, le masque, la peur. Le masque, c'est toujours dans la famille de la nuit. Alors, c'est vrai, lorsque on regarde la carte, eh bien, elle représente vraiment un masque qui est vraiment effrayant, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, cette carte du masque porte un double message. Elle a un aspect effrayant pour deux raisons. D'abord, elle vous invite à regarder votre peur en face. Et ensuite, eh bien, elle vous montre que votre peur vous fait porter un masque. Cette carte du masque, elle est là pour vous aider à prendre du recul sur un comportement que vous adoptez et qui camoufle une peur. Est-ce que vous portez ce masque par ce que vous avez vécu dans votre passé, que ça soit dans le sentimental, dans une relation, que ça soit dans familial, que ça soit au point de vue professionnel? Pourquoi portez-vous ce masque? Vous savez, lorsque l'on ressent la peur, eh bien, plusieurs réactions sont possibles. Ça peut être la sidération, ça peut être la fuite, ou ça peut être encore la défense. Eh bien, j'ai pigé cette carte, c'est peut-être pour que vous réfléchissiez un petit peu à ce que vous adoptez en ce moment comme comportement. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous vous sentez immobilisé? Est-ce que vous avez fui une situation? Est-ce que vous vous êtes peut-être senti attaqué au point d'avoir besoin, eh bien, de vous défendre? Quelle que soit votre réaction, n'est-ce pas? Il vous est proposé de mettre au clair ce qui vous effraie. Oui. Ce qui vous effraie dans cette situation, dans ce que vous vivez présentement. Pardon. Alors, encore une fois, avoir peur est naturel, bien sûr. La peur est là, c'est naturel. La peur nous permet de sentir, eh bien, le danger pour nous protéger. Mais la peur peut déterminer aussi nos choix et devenir un grand saboteur. C'est pourquoi cette carte du masque, elle vient vous interroger. Ta peur te protège-t-elle d'un danger réel ou imaginé? Que se passerait-il si tu dépassais ta peur? Que ferais-tu? Comment te sentirais-tu? Posez-vous ces questions. Cette carte n'est pas anodine, n'est-ce pas? Il y a une problématique que vous vivez présentement.
lorsqu'on est habité par la peur, eh bien vient la crainte de revivre peut-être cette émotion. On peut alors adopter un comportement d'évitement, planification extrême, posture d'attaque, fuite, immobilisme, etc. Ce sont des masques, n'est-ce pas? Cette carte de la peur, elle vient vous questionner. Quel est le masque que vous portez pour éviter votre peur? Quel est le masque présentement que vous portez pour éviter cette peur que vous avez? Et enfin, la peur nous interpelle, n'est-ce pas, sur nos limites, la frontière entre, eh bien, le connu et l'inconnu, la sécurité et l'aventure. Eh bien, il vous est proposé de faire tomber le masque pour identifier vos limites. Et vous savez, c'est en les identifiant que vous pourrez prendre la décision et les accepter ou de les dépasser, n'est-ce pas? C'est en faisant face. Et dans les deux cas, vous aurez fait tomber le masque pour vous montrer dans toute votre authenticité et suivre vos aspirations profondes. Pourquoi portez-vous ce masque? Quelle est cette peur que vous avez? Est-ce que vous avez peur de votre compagnon? Ou de votre compagne? Est-ce que vous avez peur de la famille? Est-ce que vous avez peur de quelque chose qui est dans le milieu familial? Est-ce que vous avez peur dans le milieu professionnel? Qu'est-ce qui fait que vous mettez ce masque? Voilà, c'est un très très bel oracle pour vraiment mettre en lumière eh bien, les choses en nous. C'est un travail d'introspection, n'est-ce pas? Tout simplement. Et c'est très intéressant. Voilà, je trouve que cet oracle aussi est vraiment intéressant. Je termine avec le message de l'univers. Et aujourd'hui, j'ai pigé voyage astral. Ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors ou que tu médites. Fais-lui entièrement confiance. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Eh bien, beau message de l'univers. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message et nouvelle guidance. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis à demain.